Il faut s'enfoncer dans la jungle de Bornéo, à plus d'une heure de bateau du premier village, pour rencontrer Aurélien Brûlé, que tout le monde appelle Chani. Ce Français y a créé le plus grand centre de protection des gibbons au monde. Il se bat pour défendre ces singes méconnus. Il en a déjà recueilli 250 dans cette réserve de 8 hectares. Tous les animaux qui sont à Calaouette, comme ceux qui sont derrière moi, sont des animaux qui ont été victimes ou des braconniers ou de la déforestation. Donc pour tous ces gibbons détenus, reçus à Calaouette, la mère a été tuée par des braconniers ou par des gens. Et donc ils sont ici pour être réhabilités et dans l'idéal, un jour, pouvoir repartir dans la nature. Avec une cinquantaine d'employés indonésiens, Chani se bat pour récupérer les gibbons détenus en captivité. Il y en aurait encore 6000 à Bornéo. Dans cette réserve, d'immenses cages accueillent les couples de primates. Un premier pas vers la réadaptation à la vie sauvage pour ces singes monogames. Tous les vétérinaires ici portent un masque car les gibbons sont très fragiles et la moindre maladie humaine contractée pourrait les tuer. On doit s'assurer que l'animal est en bonne santé. Parfois, on doit les enfermer dans des petites cages pour être sûr que le traitement se passe bien. Autodidacte, Aurélien a découvert sa passion pour ces grands singes il y a 20 ans, dans un zoo du sud de la France. Pendant que ses copains jouent au foot, lui observe chacun de leurs mouvements. À 16 ans, il écrit son premier livre et très vite, il reçoit le soutien de la comédienne Muriel Robin. 2 ans plus tard, il quitte la France pour l'Indonésie. Aujourd'hui, son constat est alarmant. On est face à une destruction de la forêt ces 15 dernières années qui a jamais été égalée, la vitesse de cette déforestation. Donc on est en train de tout perdre. Donc s'il n'y a pas d'initiative pour essayer de sauver les gibbons, de conservation des gibbons, on va tout simplement les perdre dans une échelle de 10 à 15 ans, simplement parce que la forêt est détruite, principalement à l'heure actuelle pour les plantations d'huile de palme. Alors Chani se bat contre les multinationales et leurs bulldozers pour préserver la forêt, l'habitat naturel des gibbons. Il n'en resterait plus que 200 000 dans toute l'Asie du Sud-Est.